Eh bien salut les amis, c'est Programmeur. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, comment on va dire, retour je pense. J'essaierai, hein. Voilà, c'était juste pour vous faire quelques petites explications et puis pour vous expliquer plein de trucs. Donc non, je ne suis pas sur Farm Simulator 19, je suis bien sur Farm Simulator 17. Pour la simple et bonne raison que le 19 ne marche plus. Je sais pas, je veux le démarrer, il démarre pas. Il s'éteint aussitôt. Et il y a celui-là qui marche. Donc, comme quoi pour vous dire que ça me fait chier. Mais bon, le 17, je rajoute de temps en temps des mods que je trouvais bien avant. Et puis cette map que j'avais bien appréciée quand j'y avais joué. Donc voilà. Donc j'essaierai de vous faire une petite carrière sur cette map. Pendant le confinement, même un peu plus, hein, j'espère. On va... Je pense, hein, je vais essayer de tenir un rythme de vidéo comme il faut. Puis voilà. Donc là en fait, ça va être aujourd'hui l'épisode 0, on va dire, où c'est le commencement, où est-ce qu'on amène le matériel à la ferme. Voilà. Donc là, cet épisode, ça sera juste on achète du matériel et puis voilà. Donc comme Ben, nous allons prendre... Le bouche, il fait 15 000. Oui. Là, le bouche peut être pas mal. Ah, déjà quand je vois sur le côté... Ah. Je la sors comment du sol? Oui, moi je peux redescendre qui sait. Toi tu peux bien. Ah, ah. Mais ça veut pas la faire? Merci. Ouais, une petite benne de bouche. Voilà. Ah, ça tourne. On met le gyro. Puis on met let's go. On va s'occuper des vaches, je pense, du coup, sur cette map. Qui est... La fois, elle était bien. Mais quand je vois les textures comme c'est vrai que ça me fait mal depuis jour 19. Ça fait beau, en fait. Ouais, parce que ah, c'était là. Je vous commence le coup, comme ça vous allez voir la suite à chaque fois. Ici, je ne mets pas sur le passage, je sais pourquoi. La benne, on peut la mettre ici, cette petite hangar. Par contre, ce qui est chiant au clavier, c'est que tu fais pas comme tu veux. C'est avant pour ceux qui m'ont suivi depuis un petit moment. J'avais un volant. Ah, maintenant c'est dans le silo. Aussi, c'est vrai que c'est pas très bien là où est-ce qu'il est ce silo. Et n'avance pas tant. C'est qu'elle s'enfonce dans le sol à chaque fois. Je sais pas. Donc après, qu'est-ce qu'on va prendre comme tracteur? On pourrait peut-être se prendre un gaz avec un chargeur. On va le mettre en 133. Pneu large, puis on va laisser comme ça. Ah. Ah ouais. Petite chargeur, c'est vrai que c'est chiant que ce soit pas tout par catégorie comme sur 19. On va prendre les mix qu'il y avait avant. Et qu'est-ce qu'on peut prendre? Bon, pour l'instant on va prendre que ça. On va prendre qu'une benne charrue. Je sais pas, on pourrait peut-être prendre une des deux. Je sais pas pourquoi il y en a une qui est plus chère que l'autre alors que c'est les mêmes, je crois. Pneu large, c'est pour la roue, je pense qu'il est là. Une charrue, cultivateur, qu'est-ce que nous avons comme mode? Ah, mais on en a. Ah, ben. Le GCL. On va ramener celui-là avec le CAS. Ce moi, je dois rien avoir. Ah, si. 4 mètres, 3 mètres. 4 mètres. C'est vrai qu'on pourrait prendre celui-là. Ah, ouais, c'est. C'est celui qu'il faut l'air sur ta tille devant. Ça y est, ça me C'est où par contre? Ah bah c'est là. Ouais. C'est vrai que c'est chiant que ce soit pas. C'est pas par catégorie. Pulvé, pas besoin, épandeur engrais. J'ai ce qu'il faut, épandeur fumé. Pareil, cuvalisier. Elle a l'air bien. Pour l'instant, on va t'arrêter. Ah. Ce petit CAS. Ah oui, c'est... Oh putain, glisser comme ça fait du bien. Là.
Par contre, mon jeu, il le digère pas. Oh là là. Ah, ça rappelle des souvenirs, ça. Oh, est-ce qu'il va le soulever, quand même? Ah. Donc, quand on veut le baisser, ça le plie. Mais est-ce qu'il marche, moi, dans ce jeu? Si, il marche! Parce que quand je jouais au 17 avant, celui-là ne marchait plus. En fait, vous pouvez... là, vous le dépliez comme j'avais fait, vous avancez, ça marchait plus. Il est levé, là? Mais on le prendra pas avec le case. Oh là là. T'as déjà, ça lui appuie sur le cul. Ah oui. C'est pas très réel, hein, ce qu'on fait. Enfin, ce que je fais. Oh là 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 là. Et en plus, je fonds. Oh là. Je comprends rien en vue extérieure, ici. C'est vrai qu'ici c'était assez emmerdant avec les arbres. Ah oui, mais là normalement là tes dents elles touchent par terre. Putain. Bah là on nous passera un petit coup, on fauchera. Ça va ce que j'ai comme mode de faucheuse. Ah ouais. C'est vrai que ça c'est spécial là. Ah là là. Après j'espère que pendant le confinement vous restez chez vous bien sûr. Hein, vous ne sortez pas. Par contre, ah, c'est quoi? C'est du coco. Et là, c'est de l'ensilage, mais paillaché zéro. Ah, ou c'est de lait? On va vider les silos, je crois. Il y en a, c'est du coco, on sait pas ce que ça fout là. Le gisel, on va pas le foutre là. Gisel, je sais pas comment on dit. Gisel, voilà. Donc je le dis, voilà. Le casse-toi, on va aller te rechercher un godet. D'accord. Un godet avec une masse. Ouais, parce qu'on va peut-être vider ces silos. Parce que c'est bizarre qu'il y ait du copeau. Parce que moi je me souviens que quand j'avais apparu sur cette map, c'était mis un moment. Hein. C'était en 2018, je crois. Même pas. C'est pas 2000. Non, non, 2018, je crois, on avait passé en 2019. Et bah, c'était quelques jours. Je sais plus à quel moment c'était, mais je me souviens que c'était en fin d'année. Voilà. Je vais me dire où est-ce qu'il est le godet. Donc, c'est là-dedans. Ah. 900, est-ce que j'aurais pas pu gros godet? Bon, bah, ils sont. On va prendre des comme ça, hein, je pense. Ouais, parce que eux ils prennent pas grand chose. Non, lui prend là, je vais me faire avoir. C'est du copeau ça, je crois. Ouais, mais 3000. Non, je vais le laisser comme ça. Je pense que ça va lui faire très lourd au cas. Donc on va lui prendre une belle masse. Ah, bah la. Celle-là. La Cosne. J'ai fait ce... Ah, il est là. Par contre, qu'est-ce qu'on va en faire de ce copeau? Ça, c'est bien la question. Ah oui. Ça va lui faire très lourd. Ouais, déjà que le godet pour lui est très lourd, là. Là. Là, t'es équilibré. En plus, ça va très bien, cette petite masse cosne. Ah, par contre, ce qu'il y a bien. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une deuxième vue comme ça. Ah, ah ben je fais n'importe quoi. Ouais, donc j'essaierai de tenir, je vous dis, des épisodes de ça. Parce que je pense que le confinement n'est pas terminé. Ça va durer un peu longtemps. Ça va durer, je pense. On peut même y attacher des roulements. Oh, oui. Concentre-toi ici. Voilà, qu'est-ce que je dis? Lever le godet. Ces rambardes, je les aimais pas, elles étaient maudites. Et quand je vous dis maudites, c'était quelque chose. Tu prends le... C'est du coco quand même, hein. C'était pas. Oula. Déjà, tu prends. Mais on va prendre le dot, hein, avec la remorque, hein, tant que c'est là.
truc qui démarre. Bon, je vous dis, hein, dans tous les épisodes, un jour, ça sera tout rempli hein, ici. Ça sera pas vide. Il y aura du matériel. Ah, mais c'est bizarre. Hein. Alors, la remorque. Là. Oh là là. Là, on va le laisser là. Ouais, bah en fait, vous voyez, ça part sur du chargement parce que ça, ça va. Mais je pense qu'il faudra qu'on aille le vider en quelque part parce qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire sur ces, sur ce silo. Mais je vois pas pourquoi c'est du. Attendez, on va aller voir à côté ce que c'est. On va aller les giro. Oh. Ça c'est quoi? C'est de l'herbe alors? Du foin de l'herbe? Qu'est-ce que. Et je peux pas le vider! Est-ce que je peux le vider là? C'est de. Ah! Ça m'aurait étonné, tu sais que ça se vide par terre, par terre. Ici en attendant et si ça pouvait être de l'air ça m'évite, ça m'éviterait non ça je ferais quand même du foin mais... je ferais du foin quand même mais... c'est quand même bizarre qu'il y ait du copeau là dedans et surtout c'est que je sais pas où est-ce qu'on pourrait le vider on le videra dans un champ qu'on n'utilisera jamais au pire. C'est vrai qu'on voit rien dans ces arbres. On m'y lève un peu quand même le cas. Là. Bon, j'espère que vous m'entendrez assez, hein, parce que j'utilise mon micro perche, bien sûr. Vous entendrez quand même le jeu, mais que vous m'entendrez pour vous... que je vous parle. Que vous ne vous retrouvez pas avec une vidéo qui a rien dedans. C'est bientôt plein dans l'échelle. Ah, mais il lève pas assez haut le cas. Par contre, j'aimerais bien racler ce qui est par terre aussi. Parce que ça. C'est. Juste pour quelques petits pourcents, tu te fous de moi. Là. Ah, je suis bloqué. Ah. Alors, toi, où est-ce qu'on va les vider? Oui, parce qu'il n'y a rien pour vider en fait. J'ai peut-être un endroit où on pourrait le vider qu'on se servirait pour moi. Ouais, donc là c'est les vaches, c'est bien plus. Là je me souviens là-dessus, quand je jouais, j'avais fait une. Putain, merde! Une sorte de plateforme en herbe. Comme ça j'y mettais. Ah, c'est là. Comme ça on lui mettait un sorte de. Comme ça on mettait un sorte. Non, comme ça je voulais y rajouter du matériel. Quoi. On aura du maïs ainsi là j'ai à faire déjà. Ça évitera dans ce. Là on aura de quoi faucher. Normalement c'était. Ça c'était les cochons je crois. Sauf que vu que. Déjà on a du grain par terre, on a du maïs. Mais c'est qu'il n'y a pas les trillières, je me souviens plus comment j'avais fait pour acheter tout. Ah si, il y a pour de l'ancien. Et ben sinon on va le foutre dans ce silo. On va tout transvaser dans ce silo parce que... Ah, tu m'expliques ce que je touche. Merci. On va vider là-dedans. Par contre j'aimerais une benne un peu plus grande en capacité. C'est bien beau 15. C'est bien beau hein mais... Si c'était... Pourquoi tu veux pas vider? Putain, il va falloir que je vide à côté, c'est ça que tu veux me dire?
Mais j'ai du foutage de gueule. Bon, on va éviter ici. Ouais. Ça se flexe. Surtout que. Ouais, bah sinon dans ce là je on va pas sortir, mais en plus on peut la faire de la gueule. J'ai fait n'importe quoi. Ouais, bah sinon, je pense que l'ensilage il sera ici, puis voilà. On videra le silo qui est en mer, qui est en foin, je sais pas. Puis voilà, dans ce le coco. Si un jour j'ai la force de le faire, mais je pense pas. Oui, c'est vrai qu'il y avait ce petit chat. Ouais, bon, on va acheter une autre donne aussi. C'est vrai que c'est serré, c'est le truc. Celui-là, je vais emporter le poteau, même pas. D'accord. Allez, go. Attends, on va dire là. Le casque est là, donc. Comme deuxième tracteur. Peut-être le. En 313. Voilà, en 312. Pas principal comme ça. Vraiment, allez, c'est comme ça. Pourquoi je l'ai en mode, ça? C'est pas... Qu'est-ce qu'on lui... Ben... Là, ça va peut-être faire gros, le semain dernier. Qu'est-ce qu'on a... Qu'est-ce que j'ai comme faucheuse? Ah, j'ai un broyeur, j'ai la disco. Oh, on va essayer avec elle. 3m4, 3m8, ouais. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il a qui change, celui-là? Ah, mais c'est qu'il a lissé. D'accord. C'est vrai qu'il est petit ce tracteur. Bon, faut peut-être mieux d'en prendre un plus gros. Non, on va en prendre un plus gros. Ouais. 500. 500 corps, c'est quoi ça? Ah, c'est qu'un. Ah oui, non. Mais je pense. Je sais pas. Chargeuse avant 100. Prenons 516. Port principal. Configuration. Oh là. Ah, on va mettre le GPS. Non, mais. C'est vrai que c'était chiant quand c'était en anglais, et déjà là on peut même pas voir ce qu'on a fait comme modification. Ah, déjà on peut ouvrir ça, on peut ouvrir le toit. Là on peut y mettre la lumière. Là, ah. Ah bah je vais y mettre ça. On va juste ouvrir elle, puis. On va les faucher. On va aller faucher une petite parcelle que j'ai vue avant de qu'on se quitte. Non, mais avant que je coupe et comme ça vous verrez la prochaine fois j'essaie. Ah, comment on fait pour monter le gyro? Registrer tracteur, ça veut dire quoi? Ça c'était réglé. Ah, on met une... D'accord. Mais non, moi, c'est pas ça que je veux. Comment... Ah, c'est peut-être lui. Ah, ben voilà, tout simplement. Non, très bien, ce petit Fenda. Voilà, voyez, on part sur plein de tracteurs. Ah, on avait cette personne, mais celle qui est plutôt là-haut, je voudrais. Mais j'essaie d'avancer en vidéo. Ouais. Alors là, toi, vu que la faucheuse est là, on va partir là pour ça, on arrête le gyro, on la déploie. Et par contre, la hauteur de l'air, elle est parfaite pour dire qu'on fauche. Donc là, on active. Ah. C'est vrai que ça me manquait pas trop les textures.
T'as l'impression qu'elle est levée le beau café. Ouais. C'est bizarre. Quand on s'arrête, elle fait toujours le même bruit. Elle fait toujours le même bruit, c'est ça. Elle est pas plus de rétro. Par contre, comment ils sont violents. C'est vrai qu'elle change pas de bruit quand tu fauches ou tu fauches pas. C'est vrai que c'est assez bizarre. Bon, attendez, je vais pas chercher avec un truc pour tourner. Là. Là, on va essayer d'aller faire comme ça ou de s'embêter à faire à chaque fois l'arrondi. Ah là 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 là, je vois pas en plus parce que là, quand je tourne, j'ai le reflet dans l'écran. Déjà ça me fait chier parce que je vois pas ce que je fais. Et en plus il y a les arbres des fois, tu peux pas t'en enlever. Ouais. C'est vrai que c'est chiant que elle change pas, que le bruit soit pas étouffé par l'herbe quand elle fauche. C'est vrai que c'est. Ça me perturbe parce que j'avais l'habitude dans le 19 que tout fasse correctement et c'est là qu'on voit qu'il y avait vraiment une différence. Il faudrait que j'essaie de régler ce problème parce que moi ça m'embête. Mais l'herbe là elle a autant parfait par contre là bien. Oh là là, quand je vous disais qu'ils étaient trop violents. Peut-être qu'on le labourera une fois celui-là, comme ça on le laboure, comme ça on le fait rejoindre à celui qui est en dessous. Ouais, mais vu que c'était pas la dernière version de cette carte, il n'y a pas le labourage périodique, je crois. Ouais, mais je le laboure, voilà, comme ça on le rejoint à ce champ. Comme ça après je le resserre en l'air. Ça peut être une bonne idée. On va faire comme ça. Ouais. Bon, on va faire aller ce tour plus un autre et puis je pense que je vous laisserai puis je finirai en tout seul. J'essaie de ramener tout le matériel comme ça dès que on fait le deuxième épisode tout soit prêt, comme ça on soit nickel pour faire pour travailler parce que là vous voyez je n'amène pas le matériel, je fais autre chose. Ça va parce que la ferme n'est pas loin. Une fois que ce sera ok, ah, on peut peut-être le finir. Je vous ferai un petit accéléré. Là, allez, on se retrouve après l'accéléré. Voilà les gars, les amis, voilà les gars, les amis, voilà. Donc le champ comme vous voyez est fait, puis moi je vais vous laisser là, hein. Je vais vous laisser sur cette fin de fauchage, et puis on se retrouve pour un prochain épisode, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, et puis moi je vous dis à la prochaine, allez salut.